Tu veux faire la vidéo avec moi? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon dressing pour une vidéo haul et essentielle de l'hiver. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous avez bien profité des fêtes de Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez pu aussi profiter de votre famille. Ça fait un petit moment que j'avais envie de filmer cette vidéo et que j'avais envie de vous montrer un petit peu mes essentiels pour cette saison, pour cet hiver 2020, les produits que j'ai reçus récemment, que j'ai achetés. Et si vous aimez ce genre de vidéo haul fashion tendance, mettez un pouce en l'air parce que c'est la seule façon dont vous pouvez me le dire. Bon, c'est parti. Je commence par les pulls et cette année j'ai sélectionné chez Naked ces pulls version crop top pour porter avec des jeans taille haute. Je crois qu'il existe en trois coloris, il y a beige, noir et blanc. Et ce choix de coloris reflète parfaitement mon dressing. J'adore la couleur sur les autres, mais pas forcément sur moi, j'aime pas forcément la porter. À part peut-être un petit peu au printemps, été, mais l'hiver c'est beige, noir et blanc. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi ou pas. En tout cas, ces pulls crop top avec un slim taille haute, ça fait partie de mes essentiels de la saison. On reste dans les pulls et l'un de mes basiques, l'un de mes indispensables, c'est aussi un petit col roulé comme ça. Version long cette fois-ci. J'aime beaucoup les petits détails dorés et l'ouverture sur la manche. Donc là aussi, ça fait partie de mes essentiels. À mon avis, vous n'avez pas pu passer à côté parce que c'est l'une de ces tendances cette année. L'organza. C'est ce style de haut avec les manches un petit peu bouffantes aux épaules et avec une matière organza sur les manches, un petit peu transparente, qui est hyper jolie, hyper sympa en cette saison. Ce haut, je l'ai pris chez Naked. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens des produits que je vous présente en barre d'infos si vous avez un coup de cœur. C'est un haut qu'on peut porter habillé, décontracté. En tout cas, il fait partie des tendances. Autre essentiel à avoir dans son dressing, c'est une robe imprimée. Donc l'imprimé animal, c'est l'une des grosses tendances de l'automne-hiver de cette année. Celle-ci vient encore une fois de chez Naked. Et je vous ai sélectionné une autre aussi qui vient de chez Sunco. Cette robe, quand je vous l'avais présentée à l'événement Sunco sur mon compte Instagram, vous l'avez adorée. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Je vous mets souvent des vidéos en IGTV pour des astuces cheveux ou alors aussi des posts un petit peu plus mode. Pour accessoiriser mes robes, j'ai choisi cette ceinture qui vient de chez Zara et qui se porte à la taille. Donc c'est très joli et ça donne un petit peu plus de charme à la tenue. Alors au niveau des pantalons, au niveau des jeans, la tendance se dirige plus sur des coupes un peu plus larges. Mais je vous avoue que c'est pas forcément mon style. Je me dirige plus, enfin je vais rester sur des slim, voilà, plutôt taille haute aussi, pour aller avec ce genre de pull. Un autre style de jean que j'aime porter, c'est un peu ce style huilé version noire. Ensuite pour cette saison, j'ai pris cette jupe qui vient de chez Storette. Elle est en simili cuir marron, elle existe aussi en noir d'ailleurs. J'ai craqué sur cette jupe, c'est vraiment une petite pépite. Et généralement je la porte avec des collants qui viennent de chez Calzedonia, des petites boots. Et c'est parfait. Je passe aux accessoires et maintenant l'un de mes essentiels, c'est d'avoir un joli petit sac à main sur moi. Je suis pas forcément fan des gros sacs, c'est pour ça que j'aime bien les tailles mini. Celui-ci c'est le numéro 1 mini qui vient de chez Pollen Paris. Je pense que vous avez dû voir passer cette marque parce que vraiment ils font de très jolis sacs à main. Ce sac il existe en plusieurs coloris, j'ai choisi la teinte sable. Bien évidemment je reste dans mes couleurs, le beige. Autre tendance niveau sac pour cette année, ça reste aussi le sac ceinture. Donc là c'est le numéro 6 toujours de chez Pollen Paris que j'ai pris en teinte cognac. Donc sur un blazer, sur une grosse veste, un gros manteau, ça reste l'un des essentiels aussi à avoir dans son dressing pour cette année. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette pièce parce que ça fait un petit moment que je le voyais passer sur Instagram et qui me faisait de l'œil. Je passe maintenant à une plus grosse pièce, c'est le manteau bien évidemment en fausse fourrure. Donc là, il vient de chez Jake. Vous avez la petite étiquette comme ça qui montre que justement c'est une fausse fourrure, puis de toute façon ça se sent, mais elle est de très très bonne qualité et surtout elle tient très chaud aussi. Par contre je me suis fait une luxation à l'épaule, elle est hyper lourde. Autre manteau tendance de cette année, c'est ce manteau que j'ai acheté chez Zara qui a des détails assez sympas au niveau des manches. Il est ceinturé à la taille et il est assez long aussi. C'est une très belle pièce et je pense que c'est un des indispensables à avoir aussi dans son dressing en hiver. Pour ce qui est des chaussures, les cuissardes c'est toujours une valeur sûre, c'est l'une des tendances aussi de cette année. J'ai l'impression que ça ne s'épuise pas, ça fait au moins 3 ans que c'est la tendance des cuissardes. Autre essentiel que vous pouvez avoir aussi, c'est des boots, peu importe la couleur, que ce soit marron, noir, beige. En tout cas celles-ci font vraiment partie de la tendance, c'était la tendance de l'année dernière et la tendance de cette année aussi. Et pour terminer, question chaussures, je pense que des baskets blanches, c'est l'un des indispensables. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air pour me le dire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, donc ça sera la semaine prochaine, on sera le vendredi 3, et on sera déjà en 2020. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine les gars. C'est dans quelques jours, mais je peux le dire.